Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réflexion. Réflexion, comme vous aviez lu le titre, c'est une émission que nous produisons ici à Contact Pro Live depuis la ville de Johannesburg en Afrique du Sud. En tout cas, merci d'abord une fois de plus de votre fidélité. Merci pour ceux qui sont là pour la première fois et qui ont eu l'audace d'ouvrir nos vidéos. Je vous remercie et j'aimerais vous dire que, en tout cas, soyez les bienvenus. Je suis très ravi pour ceux-là qui sont vus là pour la première fois et qui ne me connaissent pas. Mon nom, c'est Germain Kaindo. Donc, je suis là. Nous faisons des réflexions sur la marche de notre pays. Nous faisons les réflexions et nous donnons les solutions que nous pensons que ces solutions-là pourra être quelque chose de bien qui pourra relever notre pays de ce marasme dans lequel nous sommes. En tout cas, merci encore une fois de plus. Je suis très heureux et j'espère que le temps que nous allons passer avec vous ensemble, ça sera un temps réfléchi, un temps que vous allez prendre pour aussi apprendre ou réfléchir aussi avec moi sur la solution que je suis en train de proposer ici. Et je suis très content par le nombre de ceux qui continuent à s'abonner parce que nous vous avions dit dès le départ, lorsque nous lancions cette émission, nous allons continuer à réfléchir sur une solution que nous pensons que notre pays a loupé depuis l'indépendance. C'est cette solution-là que nous développons ici. Donc, nous vous demandons, si vous nous prenez des cours, peut-être que vous ne pouvez pas comprendre d'où nous venons. C'est pour cela qu'il est mieux de vous abonner parce que lorsque j'apparais sur vos écrans, c'est une suite de ce que j'avais fait hier, surtout dans le tranche de réflexion. Il y a aussi Contact Pro Live, nous réagissons aussi sur l'actualité, donc nous donnons nos réflexions sur l'actualité. Mais ici, nous réfléchissons sur une solution et nous vous donnons ce que nous pensons de ce qui se passe dans une manière très réfléchie, en développant la théorie ou bien la solution qui est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Nous la développons et nous vous faisons voir comment est-ce que nous sommes vraiment plus proches de la solution que nous pensons, ce n'est pas une parole d'évangile, que nous pensons qui pourra être bien appliquée et relever les défis du problème fondamental de notre pays. Tant que nous continuerons à éviter, à résoudre ce problème fondamental-là, de l'implication du Congolais dans le développement de son pays, nous allons toujours tourner à rond. C'est ça que nous pensons que nous sommes en train de louper et le pourquoi même de notre mission. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous allons réfléchir sur à peu près 3 ou 4 sujets, si le temps va nous permettre. Nous allons réfléchir sur l'UDPS, le parti au pouvoir aujourd'hui. Nous allons réfléchir sur le premier ministre. Vous connaissez que il y a un premier ministre, une dame qui a été nommée, Madame Judith Kutula. Elle est maintenant premier ministre. Nous allons parler aussi de cette montée ou cette idée qui va de plus en plus où les Congolais de plus en plus commencent à traverser vers le mouvement rebelle M23. Des personnalités que vous, que nous connaissons, que ces gens ici ne pouvaient même pas traverser, on commence à traverser. Quel est l'impact de cette traversée-là? Est-ce que ça va continuer de cette façon-là? Nous allons en parler. Et puis, nous allons développer maintenant la solution globale de notre pays, parce que nous pensons que nous ne trouvons toujours pas la solution globale à la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'implication de la population ou bien du peuple congolais dans la gestion de son pays. Voilà un peu l'ossature de cette émission qui va nous réunir aujourd'hui. Donc, merci encore une fois de plus d'être là. Je vous prierai d'être vraiment jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que ces sujets ici vous intéressent, abonnez-vous. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour développer les quelques sujets que nous avons sélectionnés pour vous aujourd'hui. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. RDC, cette réaction musclée de Denis Mukwege sur la nomination de Kutula à la primature.
Togo vers la révisitation de la constitution. Un chef de secteur et son commandant de la police aux arrêts à Kobo, Goma, comme dans un film, je disais, dossier M23, le gouvernement congolais presse le cardinal Fridolin Ambongo. On va sur actualité.cd. RDC rencontre entre le premier ministre Samsoumiwa et le formateur Kabuya pour la formation du gouvernement. Soumino à la primature, le parti politique étant le pépinière pour la gestion de la chose publique, les leaders politiques devraient suivre l'exemple venu d'en haut. Ça, c'est Eva Zaïba qui parle. L'armée ricricricricaine demande fermement le rumeur des redditions des soldats sud-africains aux rebelles du M23. Congo profond, Kinshasa, un homme trouvé pendu ce jeudi matin devant un salon de coiffure à Lemba Salongo. Nord Kivu, le député Kambale Kiviri interpelle le gouverneur sur la nécessité pressante d'établir un centre de transfusion sanguine à Kaina et Kirumba. Trois décennies de guerre en RDC, un regard critique sur la science et l'industrie militaire. Tribune de prof Ngoï Joël Nsicho. 7 sur 7, Judith Touluka rassure, je ne suis pas venu pour soutirer de l'argent de la caisse de l'État, mais pour travailler en faveur du pays. Et puis, Ituri, un Chinois tué à Mambasa. 24 heures après sa nomination, Judith Touluka reçue par Madame Maman Marthe Kisalu et Augustin Kabuya. On va terminer par Radio Okapi. La première ministre Soumira face à plusieurs défis économiques. Bounia, deux présumés bandits lynchés par la population. Beni, le chef de village de Wemba Mavivi, plaide pour la protection de la population contre les ADF. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, en République démocratique du Congo, comme vous l'avez remarqué, l'actualité est prédominée toujours par la formation de ces gouvernements où c'est une dame qui est à la tête de ce pays. Et dans l'opposition, vous l'avez aussi remarqué, comment est-ce que les gens ont réagi sur la visite de cette première dame qui a été nommée à Limete auprès de Maman Marthe. Au fait, c'est ça le premier sujet dans lequel nous ne resterons pas. Nous allons pas nous focaliser sur ça parce que nous pensons que c'est une aberration. Tenez bon, ça c'est moi, je pense, ça c'est moi qui pense que c'est une aberration. Maman Marthe ne constitue pas aucune institution. Il n'est même pas. Elle est qui dans ce pays? Elle est qui dans ce pays? Où est-ce que nous remettons notre pays? D'abord, le fait que l'UDPS n'est pas organisé, nous sommes devant un conglomérat de situations, de citoyens plutôt, qui, je ne pense pas qu'il comprend ce que c'est qu'un peuple, un pays. Je suis désolé, excusez-moi, parce que nous commençons à voir certaines choses, on se pose la question, où sommes-nous? Où allons-nous? Est-ce que ces gens comprennent? Est-ce que ces gens qui nous dirigent comprennent? Sont-ils vraiment capables de nous diriger? Comprennent-ils que ce pays ne se développera pas dans cette manière? Qu'est-ce qu'un premier ministre a fait avoir? Quel est son rapport d'aller à Limete? Qui l'a choisi? Mes chers amis, je crois que nous sommes en train de nous éloigner des textes qui nous régissent. Ce mouvement, auprès de beaucoup de gens, c'était une aberration. Même moi, j'étais choqué de voir que l'informateur ou bien le formateur qui a été nommé prendre cette dame-là et aller saluer Maman Marthe. Elle représente quoi pour le pays? C'est quelle institution qu'on puisse nous éclairer? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous allons? Moi, je pense que ça, ce sont des signes des gens qui évitent effectivement, qui ne connaissent pas au fait. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire.
Ça, c'était un premier point. Ça, c'est mon point de vue. Pourquoi je donne ce point de vue-là? Parce que dans les beaucoup de gens qui m'appellent, merci beaucoup pour ceux qui sont, qui entrent en contact, qui me font des messages, qui me DM aussi en me disant, tu as vu ceci, et on commence à rigoler. Ce pays, nous l'amenons où? Est-ce que quand les autres entendent ce que nous sommes en train de faire, moi, j'ai honte de mon pays. J'ai honte. On nous pose la question, c'est qui c'est Maman Martella? C'est la reine? Ou bien c'est la reine mère? Ou qu'est-ce qu'elle représente pour ce pays, pour que la première ministre nommée par le gouvernement, par le président de la République, va s'incliner? C'est comme si, là, vous allez maintenant avoir aussi de l'autorité. C'est là où on vous accepte. Et elle a été trimballée par-ci, par-là, il faut aller voir ceci, tout, tout, tout. Ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas... Ça nous dénigre. Nous ne savons pas finalement si nous sommes dans un royaume ou bien dans quel genre de pays nous sommes. Ça, c'est mon point de vue. Alors, concernant elle-même, cette dame, d'où elle vient? Moi, je pense que cette dame, elle n'est pas étrangère. Et son nom déjà courait dans le média. On connaissait le point de vue du président de la République. Qu'est-ce que nous pensons que le président de la République... Pourquoi est-ce qu'on a nommé, cette dame-là? La Constitution voudra à ce que la majorité parlementaire conçoit un programme. Basadi programme, ils font un programme, ils se disent comment est-ce qu'ils vont solutionner les problèmes qui sont... Sur table en République démocratique du Congo. Comme nous avions élu les parlementaires, ces parlementaires-là vont se mettre ensemble en se disant voilà qui va conduire ce programme qui est sur table pour solutionner le problème de la République démocratique du Congo. Je pense que j'en avais parlé hier. J'ai dit ceci, notre constitution... Les procédures font assez que c'est le peuple, les députés qui se disent « Voilà, nous venons du peuple. » Et c'est ça le réel problème que nous pensons qui peut être résolu. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Comment est-ce que nous allons lier nos forces? La majorité, bien sûr. Et la majorité réfléchit en disant « Voilà l'homme ou la femme que nous pensons conduira ce programme-là. » Et il propose cette manière ici de la nomination par le président de la République, c'était une manière protocolaire selon les constituants. Protocolaire comme ça, comment? Parce que elle devrait être, la nomination devrait être acceptée par le président de la République après une collaboration. C'est-à-dire, ce n'est pas le président de la République qui va se choisir un gouvernement ou un premier ministre de son choix, non. Dans la Constitution, on ne parle pas du pouvoir discrétionnel du président de la République, non. Ça vient d'où cette manière? En 2006, lorsque la majorité au Parlement avait désigné quelqu'un, le président de la République n'avait pas accepter de nommer cette personne-là parce qu'il y avait un certain désaccord et avait demandé à la majorité au Parlement de lui présenter trois ou quatre candidats par lesquels il va choisir un. C'est par là que cette histoire a commencé. Et c'est par là que vient cette erreur-là que ça devient quelque chose de normal aujourd'hui. Et c'est très malheureux pour nous, peuple congolais. Ce n'est pas le président de la République. Nous sommes en dehors de la Constitution. Ce n'est pas le président de la République qui va se choisir un gouvernement. Non. Alors, où est le pouvoir du Parlement? Qu'est-ce que les parlementaires vont faire? Même si vous êtes majoritaire au Parlement, vous avez à résoudre les problèmes. Vous avez les problèmes du peuple. Et c'est vous qui agréez le bilan. C'est vous qui va vous choisir des hommes et des femmes qui vont être au gouvernement. Vous donnez la main au président de la République. Mais aujourd'hui, nous constatons pratiquement, cette première ministre ici, cette première ministre,
Elles sont dans le poche du président de la République. Ce pays n'appartient pas à Tshisekedi. Ce pays n'appartient pas au président de la République. C'est comme cela que tout le monde, vous allez voir, tout le monde va croiser le bras en disant que le président de la République va tout faire. Et le peuple congolais va être là en train d'attendre qu'on leur amène la nourriture sur la table. Et tout le travail et l'imbécilité que nous avons, c'est de croire que le président de la République va se choisir des hommes et des femmes qui accompagneront son programme. Alors nous sommes en dehors totalement de la Constitution. Et c'est comme ça que les vols vont continuer, les détournements vont continuer. Quelle sera la place du Parlement? Quel sera le pouvoir du Parlement? Parce que le président de la République, au moment où nous parlons, il a la justice dans ses poches. Il a le Parlement dans ses poches. Le Parlement ne pourra absolument rien faire. On va commencer à leur donner de l'argent comme ça parce que le président de la République a tous les pouvoirs. Et tous les pouvoirs s'exercera à la présidence de la République. Ainsi, le Premier ministre n'aura qu'à accompagner ce que le chef de l'État va donner. Il n'y a plus de concertation, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus... C'est lui qui décide. Et même dans la formation du gouvernement aujourd'hui, les tractations, ce n'est pas la première ministre qui va le faire. Même si elle va commencer à dire que je vais travailler avec ceci, ceci, vous allez voir, ça sera encore comme ce que Kabuya a fait. Il vient avec une liste, on lui dit non, va encore faire ceci. Ça sera encore du ping-pong. À ce moment-là, nous passons le temps. Et on m'apprend encore, nous attendons par les réseaux sociaux et d'autres sources d'informations que le gouvernement ne pourra pas sortir avant la fin du mois d'avril. Et peut-être avant la fin, ça ce sont des discussions maintenant, les gens commencent à discuter. C'est la présidence de la République qui s'est choisi les gens avec qui il va travailler avec. Ne nous voilons pas la face. Et c'est ça l'aberration dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et ça fait mal lorsque nous voyons que notre pays, nous prenons tout à la légère. On est trop de fanatiques. Je ne sais pas comment est-ce que je peux dire. Cette première ministre, moi personnellement, ce gouvernement ici, je ne m'entends plus à ce que je ne peux pas commencer à me mettre là espérant que les choses vont changer en République démocratique du Congo. Le président de la République continue dans ce périple de voyage. Il ne travaille pratiquement pas. On pense que les hommes, en les nommant, en les mettant là-bas, le travail va se faire d'elle-même. On ne conçoit même pas le travail. On n'a pas de solution. On ne réfléchit pas sur la solution à apporter. Tandis que les gens qui devraient réfléchir sur la solution, ce sont les députés, le peuple, ils les ont choisis. Les députés qui viennent du peuple, ce sont eux qui devraient réfléchir et mettre un programme en disant « Voici comment est-ce que nous allons faire. Voici comment... » Ce sont eux qui votent les lois. Et ce sont ces lois-là qui devraient être appliquées par le gouvernement qui sera mis en place. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux parce que tout est... Ici en Afrique du Sud, on dit « captured ». Tout est... est pris dans les mains du président de la République. Mboka Oyo est comme Mboka Yachi, ce qu'elle dit. Il n'y a qu'un homme qui a tout fait. Il peut même aller en guerre. Il peut tout faire. C'est lui qui va nommer tout. Tout le monde se bat. Et ne vous étonnez pas s'il y aura encore des boxes qui vont se faire voir vers les assemblées provinciales. Parce que là, ce sont les représentants du président de la République. Le pouvoir est à Kinshasa. Il n'y a pas à discuter sur ça. Le pouvoir était dans les mains du président de la République. Donc, pour le premier ministre, moi je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de bon qui sortira de là. Ça, c'est mon point de vue. Et je vous le fais voir d'une façon constitutionnelle. Nous ne sommes plus dans un pays. Tozal Susunakati Ambokate. Il n'y a plus de pays ici. Moi, je crois que nous devons commencer déjà à penser comment est-ce que nous allons faire un royaume dont le roi sera le fils d'Étienne Tshisekedi et la monarchie anglaise, comme quelque chose comme ça.
Parce que nous pensons que c'est ceux qui ont le réel pouvoir et que les chefs coutumiers le lui ont donné, c'est le président de la République et sa maman aussi. Bangonde mtubasimbi makamunyo sotu amboka oyo. C'est très malheureux, mes chers amis, pour notre pays. Et pour ceux qui pensent qu'il y aura de bonnes choses qui viendront de ce gouvernement, laissons le temps au temps. Voilà, ça c'était le pour clôturer cette partie du Premier ministre dont beaucoup de questions. Germain, vous êtes passé où? Qu'est-ce que tu penses de ce Premier ministre? Voilà une femme à la tête de notre gouvernement. Je crois qu'il y aura un changement. Il n'y aura pas de changement. Pourquoi? Parce que même dans ces dires, même dans tout ce que vous entendez, nous travaillons pour le président de la République. Les gens ne travaillent pas pour une vision globale de notre pays. Les gens travaillent pour la vision du président de la République. Il a la volonté de développer ce pays. C'est pour lui. C'est le boss. Ce pays lui appartient. Même la première ministre en question remercie le président de la République. Et ça, c'est trop fort. Il remercie le président de la République pour avoir pensé à lui. Moi, je ne vois pas les histoires de critères, oh, comme ça, elle a étudié ici, elle est par-ci, par-là. Ça ne compte pas. Est-ce qu'il y aura différence avec le gouvernement de Ilunga Kamba ou bien de Samalou Konde? Moi, je pense que le gouvernement de Ilunga Kamba, c'était quand même un gouvernement responsable. Et tout ce qui a suivi n'était qu'une récupération du pouvoir. Pendant les 5 ans, c'est ce qui même justifie les rébellions, parce que vous aviez donné le pays à une personne qui ne connaît pas, qui n'a pas de vision, qui peut avoir une vision, mais il ne connaît pas le chemin. Peut-être si nous avions Kagame, peut-être. Pourquoi? Je vais vous le dire dans la troisième partie, pourquoi est-ce que ça ne va pas marcher? Alors, allons-y d'abord à cette troisième sujet qui est celui de l'Est de la République, l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Mes chers amis, qu'est-ce qui peut motiver aux gens de faire le traversée? Est-ce un problème d'argent? Comme j'ai entendu un journaliste qui dit que non, les 4 personnes là qu'on a, dont leurs photos circulent dans les réseaux, Henri Magi, Tchaloué et les autres, qui ont rejoint dernièrement le fleuve Congo, étaient des Bazaki Bazoluka Moussala. Est-ce que ça peut justifier que quelqu'un puisse aller dans la rébellion? Réfléchissons un peu. Est-ce que notre pays va bien? Quelqu'un peut se dire que nous sommes bien en République démocratique du Congo? À moins que si vous êtes au mangeoir. Et c'est ça qui est le langage des gens de l'UDPS. On vous dit que le pays ne va pas bien, on vous dit que vous êtes haineux. On vous dit qu'il y a des tournements de fonds de derniers publics, on vous dit que vous êtes haineux. Vous n'avez pas la bonne foi. On vous dit que quelqu'un n'est pas compétent, on vous taxe de tous les maux, on vous injurie même. Ce pays ne sera pas construit par une personne. Ce pays appartient à tous les Congolais y habitant et ils ont droit à tout. Le pays va mal, le pays ne fonctionne pas. Mais lorsque nous amenons ça sur la place publique, les gens commencent à nous taxer comme des gens. Alors, ces gens qui traversent, pourquoi est-ce qu'il y a tant de rébellions d'abord? Ça, c'est un. On peut dire peut-être rébellion de M23 et les autres, c'est de l'insécurité. Pourquoi toutes ces insécurités? Pourquoi on ne construit pas les routes chez nous? Pourquoi il n'y a pas de bonne gouvernance? Peut-on dire que Samalou Konde a fait quelque chose? Qui a fait monter, qui a résolu certains problèmes en République démocratique du Congo? Moi, je pense que c'est là où est le problème. On n'a jamais résolu quoi que ce soit. On s'est tout simplement enrichi. Et le président de la République
pensent qu'en donnant de l'argent au peuple congolais, les peuples congolais vont se suffire et ça va aller. Or, il ne peut pas faire tous les peuples congolais des millionnaires. C'est là où il s'est trompé. Nous devons mettre des processus qui vont créer de l'emploi à tout le monde, faire sortir le peuple congolais de la clochardisme, du senga-senga. Le peuple congolais est devenu clochard. 95% du peuple congolais ne travaille pas, ou bien ils sont dans l'informel. Ils ne travaillent pas pour l'État. L'État congolais n'existe pas. Le problème, c'est ça. Nous devons faire exister le peuple congolais pour que tout le peuple, les 95% qui souffrent aujourd'hui, commencent un peu à avoir un peu de l'espoir. C'est ça qu'il faut faire. Et pour ça, il faut que cet état du Congo puisse être fort. Il faut que cet état du Congo puisse exister. Ses enfants, de leur donner du travail. Ce n'est pas au président de la République qui va donner du travail à quelques peuples congolais, à quelques minorités congolaises. Vous leur donnez du travail comment? Ce sont les députés, ce sont les gens, les membres du cabinet, tout ça, ceux qui seront nommés, ce sont ceux-là qui se retrouvent. L'ensemble du pays ne se retrouve pas. Il n'y a pas de programme de construction qui va embaucher beaucoup de gens. Vous vous compliquez. L'argent est détourné du jour au lendemain. Chaque jour, on se bat pour les postes à l'État. Et quel poste? L'État n'existe pas. Même si vous êtes directeur quelque part, vous travaillez pour votre ventre. Les gens ne travaillent que pour leur ventre. C'est ça le comble, c'est ça le mal. Donc, ceux qui traversent, ceux qui vont au fleuve Congo, ils se rebellent contre ce régime ici. Et nous pensons qu'il y en a encore qui sont à Kinshasa, qui cherchent une opportunité à chasser Tshisekedi, à chasser ce pouvoir ici qui ne comprend absolument rien. Et je vous dis qu'à la première opportunité, ceux qui pourront avoir cette opportunité-là vont traverser. Seulement, il y a des choses que les gens continuent à croire. Et là, moi, je me dis, lorsque l'AFDL venait et lorsqu'il y avait la guerre en 94-95 là-bas,
nous étions à Bukavu, nous croyions à ce que Mobutu va faire quelque chose. Et c'est comme ça, c'est cette impression que j'ai aujourd'hui, à voir comment les gens sont en train de réagir. On vante le phare de ce qui est très faible, qu'ils vont récupérer, qu'ils vont se battre, tout ça. Pendant ce temps-là, ce mouvement-là est en train de gagner du terrain et même de gagner, faire voir aux gens que ceux qui sont à Kinshasa sont dans le faux. Et le phare de ce, ils sont en train de maltraiter ce peuple-là. Ils gagnent du terrain. Et petit à petit, lorsque le FARDC vont commencer à subir des échecs, lorsqu'ils seront battus sur le terrain, et là je vous préviens, si Goma tombe, c'est fini. Si Goma tombe, c'est fini. Vous allez voir comment est-ce que les gens, beaucoup de gens sont déjà à l'extérieur. Et beaucoup de gens dans leur cœur commencent à se dire, ce pays ne vaut plus la peine. Et ce lion en carton, cette armée que nous croyons républicaine, une armée forte de FARDC, lorsqu'ils vont se révéler ces couleurs, et c'est par là que les villes vont commencer à tomber l'une et les autres. Pourquoi je dis ça? Nous en avons l'expérience, nous avions vu comment l'AFDL est arrivé. Ainsi donc, ceux qui traversent pour aller de l'autre côté, c'est facile. On est en train de faire les lits pour le traverser par le gouvernement en place. On ne se précipite pas, il n'y a pas aucune urgence. Les choses que le gouvernement, que Félix est en train de faire, sont des choses qui énervent. On se pose la question, va-t-on continuer dans cette manière-ci à énerver? Je crois que nous devons penser, c'est comme ça que je dis, quand vous réfléchissez, quand vous regardez, quand vous voyez les gens en train de diaboliser les gens qui traversent, c'est-à-dire que ces gens-là sont aux mangeoires. Ils se plaisent bien. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que non, la vie va très bien en République démocratique du Congo. Non, c'est lui qui vous dira comme ça, il est en train de vous tromper. Et donc, il faut absolument que nous pensions que le problème n'est pas le M23. Le problème, ce n'est pas les gens qui traversent. Ce n'est pas la traîtrise, comme on dit, on est en train de trahir Tshisekedi. Tshisekedi, qu'est-ce qu'il fait? Entrons maintenant dans le vrai problème de la République démocratique du Congo. Parce que le M23, moi je suis sûr, ils sont en train peut-être de ralentir leur avancée. Et je ne sais pas pourquoi. Ça, je ne peux pas vous dire parce que je ne fais pas partie du M23. Mais je ne peux pas condamner ceux qui vont là-bas. Pourquoi? Parce que la situation elle-même nous condamne, nous, à rester inactifs. La situation, pourquoi est-ce que nous évertuons à donner nos petites contributions, à réveiller la masse? Est-ce que nous réveillons la masse pour se rebeller? Non, pour vous ouvrir les yeux. Regardez-vous, regardez tout autour de vous. Regardez comment est-ce que notre pays avance. Regardez ce que les autres font. Et comparez-vous à ce que nous sommes aujourd'hui. Où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous voulons de notre pays? Si ce n'est que remplir nos poches, aller acheter des maisons à l'extérieur, tout ça. Et continuer à appauvrir notre État. Il n'y a pas d'organisation. Notre pays est en train toujours de patauger. Et donc, je disais que le réel problème, c'est que le gouvernement actuel et son président ne les connaissent pas. Quand j'ai suivi cette dame-là, ses premières impressions, moi, je n'ai pas trouvé quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui connaît le réel problème de la République démocratique du Congo. C'est une continuité de cette politique-là qui a été avec Ilunga Nkamba, avec Kabila. C'est une continuité, c'est pratiquement une continuité de tout ce que les autres gouvernements qui se sont succédés. Ils ont continué à faire la même chose. Et donc, on ne peut pas espérer un changement en continuant à faire ce qui ne produit absolument rien. On vient là-bas, on vous dit que non, nous allons relever le défi, nous allons faire ceci. C'était la même chanson que Sam a chanté en disant que nous sommes un gouvernement de warriors
ils étaient pratiquement à côté de la plaque. Donc c'est une continuation de ce que Sama avait fait, et on échange qu'on met une femme là-bas, et la situation va continuer à se dégringoler. Les détournements vont continuer, et les gens vont continuer à faire des voyages, à penser que les choses sont à la normale. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'il faut faire. Maintenant, ici à Contact Pro Live, nous réfléchissons, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution qui est probable et que nous pouvons appliquer afin que nous puissions commencer à voir un peu la lumière? Mes chers amis, la première des choses qu'il faut faire, c'est de reconnaître d'abord que nous avons échoué pendant ces 60 ans, 63 ans, 64 ans de notre indépendance. L'échec, c'est la maîtrise de la gestion de notre pays. Nous ne connaissons pas notre pays, nous ne nous connaissons pas. Et cela ne peut pas être fait, pour la corriger cette histoire-là, ne peut pas être fait par un homme, par une vision dont beaucoup de gens vont s'impliquer là-dedans, dont tous les Congolais vont se mettre au travail en se disant, voici là où nous pouvons partir. Voici là où nous voulons que notre pays arrive. Nous ne pouvons pas aller là-bas dans une désunion totale. Nous ne pouvons pas aller là-bas avec une guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez, est-ce que dans les dires de cette dame-là, comme qui a été élue comme premier ministre, comme disons élue ou bien choisie comme premier ministre, avez-vous entendu une solution pour la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? On pense que le président de la République a la solution, pendant que le président de la République n'a pas de solution. La dame là est au courant et elle sait qu'il y a la guerre, mais elle s'aventure là-bas à accepter que non, bon, nous allons faire, il y a beaucoup trop de défis à relever, et le président de la République, dans son petit discours de 2 minutes, il a cité 4 fois, 5 fois le président de la République. Et qu'est-ce que lui apporte? Qu'est-ce que lui apporte si ce n'est qu'accompagner un bourrique à la tête de notre pays? Et tous ces journalistes-là qui se disent, non, les gens qui traversent, ce sont des gens qui sont des demandeurs d'emploi. Ils sont financés, on leur donne de l'argent facile. On leur donne de l'argent facile. Et ils pensent que le pays va être dirigé comme ça. Ils gèrent leur vie. Ils ne gèrent pas la République démocratique du Congo qui devra demeurer après eux. Qu'est-ce que nous léguerons à notre pays? Est-ce que c'est du désordre? Est-ce que c'est de l'égoïsme que nous sommes en train de manifester? Même ces journalistes-là, ils pensent qu'il va rester, il restera éternel. Parce qu'on est en train de lui donner de l'argent facile comme ça. Et il voyage, il va en Europe, il fait ce qu'il veut. C'est de l'argent sale. Et donc, je disais que la solution résidera dans le fait que nous comprendrons que ce pays n'appartient pas à une seule personne. C'est comme ça qu'ici à Contact Pro Live, nous nous sommes dit, la solution peut venir de cette relève. Donc, si par exemple, je vais vous dire une chose. Si cette rébellion répète ce que le AFDL a fait, c'est-à-dire que nous allons rentrer dans le même cycle, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un de conscient. Parce que j'ai entendu et j'ai vu certaines personnes qui sont de l'autre côté apprécier ce programme que nous sommes en train de faire ici en disant il faut arrêter ce que nous sommes en train de faire et changer les choses. On va les changer comment? C'est créer une administration saine. Et déjà, du côté du M23, vous sentez que même le peuple sur terrain commence un peu à apprécier ce que font ces gens-là sur terrain. Nous devons recréer notre pays. Et recréer notre pays, c'est donner la responsabilité au peuple congolais. Il faudrait que le peuple congolais s'implique dans une vision de cohésion nationale. Et pour cela, nous pensons qu'il faudrait que le président de la République actuelle appelle aux états de lieu de chaque territoire. Ces états de lieu réuniront tout autour d'une table les enfants de tous les de chaque territoire dans leur milieu en disant réfléchissons pour un nouveau Congo. D'autre part ici, nous avions dit lançons un cri d'alarme à la 4e République, passons à la 4e République. Cette 4e République sera administrée comment? Il faudrait que les enfants de ce pays réfléchissent. Mouibie Kosila Ndengenini.
Comment nous allons terminer la corruption? Comment nous allons travailler ensemble dans chaque territoire? Comment, quelles sont les procédures que nous allons mettre en place? Réfléchissons, mettons ces idées ensemble. Refondons ce Congo en donnant le pouvoir justement au peuple et en faisant à ce que le peuple puisse être même le gardien de cet état de droit. L'état de droit, ce n'est pas arrêter les gens et le mettre en prison, non. L'état de droit, c'est de maintenir chacun dans ses droits, la redistribution équitable des richesses. Nous sommes pratiquement en retard. Nous sommes pratiquement en retard. En retard comment? Parce que nos arrière-petits-enfants, si nous ne faisons pas attention, vont rencontrer la même situation que nous vivons aujourd'hui. Lorsque nous partirons, nous allons laisser, quel est le système que nous laisserons à notre pays? Allons-nous laisser une monarchie? Ça ne marche pas au 21e siècle. Est-ce que Tshisekedi restera éternel? Moi, je pense qu'il est en train de pressentir qu'il n'a pas de temps. Il n'a pas assez de temps. Même l'argent que vous amassez, vous allez en faire quoi? Si vos enfants et vos arrière-petits-enfants vont encore naître dans un chaos que nous vivons aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pratiquement pas de sens. Voilà un peu ce que nous pensons qui peut être fait. Appeler les états des lieux, les enfants de chaque territoire, se mettre autour d'une table, prendre des résolutions, signer un pacte de paix. Et ces résultats de chaque territoire, les remonter avec des gens, avec des intellectuels qui seront envoyés du territoire vers les provinces. Moi, je ne suis pas pour diminuer ou augmenter le nombre de provinces. Nous avons 26 provinces, et ces 26 provinces, la subdivision administrative est vraiment, selon moi, elle est idéale pour faire exprimer les intentions du peuple. La première des choses, disons le pouvoir le plus qui aura ces états déliés, c'est de gérer une identification de la population au niveau du territoire. Gérer maintenant, donc il y aura deux missions. La gestion de l'identification de la population et puis la réflexion sur une nouvelle constitution et la signature d'un pacte de paix et d'engagement de chaque territoire dans ce qu'ils pensent que la République pourra être une République bien gouvernée où le président de la République sera choisi d'une façon démocratique. Et ça, lorsque ce papier-là sera au niveau de province, il y aura les intellectuels, le peuple congolais intellectuel, qui aura déjà su ce qui n'a pas été, résolvera ce problème. On va harmoniser les textes au niveau des provinces, et c'est au niveau des provinces qu'on aura encore à envoyer des personnes au niveau national. Et ainsi, nous créerons peut-être un nouveau parlement et les procédures pour y arriver. Ainsi, à la base, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui pourra parachuter « Oh non, moi je suis envoyé par tel. » Nous aurons à nous entendre, à nous mettre d'accord. Si je suis du Kivu, bien je suis du Chaba, il faut qu'au Chaba, qu'on puisse, disons au Katanga, qu'on puisse me connaître. Que le peuple à la base puisse savoir qui est-ce que nous avions envoyé comme président ou bien comme parlementaire. Aujourd'hui, les gens parachutent. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de background, comme on dit. Aujourd'hui même, on est en train de se poser la question, cette dame-là, elle vient d'où? Elle n'a jamais fait partie de l'UDPS. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont les membres de l'UDPS qui commencent à douter de l'appartenance de la dame ici, Judith, à l'UDPS. Voilà un peu, mes frères, comment est-ce que moi j'ai réfléchi sur cette marche que nous avons de la République démocratique du Congo. Nous pensons que la solution que nous proposons ici, la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, va consolider, va nous amener un peu ensemble pour nous assez nous connaître, résoudre les problèmes de l'identification et préparer la 4e République. C'est-à-dire que nous pouvons nous-mêmes maintenant concevoir ensemble en disant, voilà, nous ne répéterons plus
les histoires de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les rébellions ou les prises d'armes de pouvoir, nous devons nous mettre d'accord. Nous sommes à ce point ici parce que nous avons été mélangés comme des choux où il n'y a pas de règles. Les règles ne sont même pas respectées. Nous étions ici à Sun City avec une constitution qui nous a été donnée comme ça. Le peuple congolais ne s'est jamais prononcé. Nous devons, il est temps, et nous devons donner la parole et le pouvoir au peuple congolais de diriger son pays. Et nous en avons la possibilité. Le président de la République, s'il avait cette vision-là, aujourd'hui nous serions déjà quelque part très loin. C'est par là, je pense, qui devra être la fondation de notre démocratie et la fondation de notre développement. Notre développement est fondé sur quoi? Sur quelle procédure? Sur quelle politique? La politique de s'enrichir, d'enrichir nos postes ou bien de nos ventres et laisser l'avenir comme ça. Voilà là où je vais m'arrêter aujourd'hui en vous remerciant, vous qui êtes là, jusque là. Donc, merci en tout cas. Je pense que vous avez retenu quelque chose. Si vous avez aimé, laissez un petit like. Et néanmoins, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous encore une fois de plus. On se revoit dans un autre numéro. À la prochaine fois, portez-vous bien. Au revoir.